Dans les demandes de messages, je vois, il y en a plein qui sont en train d'essayer de me spoiler. Ça se fait pas. Voilà. D'habitude, j'aime bien te spoiler. Mais là, j'ai pas envie. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis bien reposée hier. Du coup, là, ça va. J'ai une réunion, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui parce qu'en fait, demain, on part à Dubaï avec Message. J'avais complètement zappé. En fait, j'avais zappé que c'était demain. Donc, du coup, en fait, j'ai une boule d'habits énorme à ranger. Mon appartement, on dirait un squat. Faut vraiment que je le range parce que je ne supporte pas partir et que ce soit le bazar chez moi. Faut que je fasse ma valise. Faut que je m'enregistre. Après, ce soir, je dois dormir chez Maïsan. Donc, du coup, je sens que je vais arriver à 23h chez elle. Mais c'est pas grave, c'est une bonne journée qui s'annonce malgré le fait qu'il y ait un temps absolument pourri. Et sachez que j'ai la haine parce que demain, à partir de demain, il fait super beau chez moi. Juste le jour où je pars. Et en plus, avec Maïsan, on était bêtes. En fait, on va à Dubaï carrément au mauvais moment parce que tout le monde se barre. Parce que justement, il fait trop chaud là-bas. Mais on est deux débiles, vous le savez. Et donc, du coup, on aura chaud. Ma valise, bon, de toute évidence, je fais absolument n'importe quoi. Je vous montre même pas parce que c'est honteux. En fait, j'étais en train de capter que là, en fait, j'étais en train de stresser parce que j'ai tellement l'habitude de partir dans un cadre de tournage et non pas de vacances parce que je me souviens même pas en fait la dernière fois que j'ai pris des vacances. Du coup, genre là, je faisais ma valise et j'étais stressée. Et d'un coup, je me suis dit, mais Vivi, pourquoi t'es stressée en fait? Tu pars en vacances. Genre, je pars en vacances, j'arrive pas à me rendre compte. J'ai l'impression que je pars en tournage. J'ai l'impression que je vais me faire tomber dessus par une baraque de 15 personnes et que je vais aller dans un asile à ciel ouvert alors que pas du tout. Je vais juste profiter avec ma meilleure copine au soleil. Faut vraiment que je me détende. Les amis, je vais partir. Ça y est, j'ai fini mes valises. Juste avant de prendre la route, parce que j'ai un petit peu de route pour rejoindre ma sœur chez elle, pardon. Je voulais vous rappeler que les formations Absorb Formation, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'avec Absorb Formation, ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez apprendre genre l'anglais en 7 jours. Il y a des formations en bureautique, en multimédia. Donc ça, c'est vraiment trop, trop cool. Et en plus de ça, vous avez une tablette qui est offerte à la fin de la formation. Donc franchement foncez, je vous remets le lien en swipe up, comme ça au moins vous pouvez aller voir, c'est hyper simple de s'inscrire. Mais c'est hyper hyper sérieux, vous êtes suivi par des coachs perso et vous payez vraiment 0€ parce que tout est financé par l'État. Et quand c'est financé par l'État, je sais qu'il faut en profiter. Donc je vous remets le lien swipe up et voilà quoi, vous faites ce que vous avez à faire. Mais franchement, parler anglais c'est la base de nos jours. Regardez là, vous êtes sur le site et en fait c'est hyper simple, j'en profite. Vous avez juste à remplir en fait le petit formulaire et ça va super vite. Ramsey descend.